Bonjour à tous, Alex du Québec pour un test démo sur El Shaddai Ascension of the Metatron, un jeu sur Xbox 360 et également sur PS3. C'est un jeu d'action. Son récit s'inspire du livre d'Enoch issu de l'Ancien Testament et relate le périple d'Enoch envoyé par Dieu pour traquer les anges renégats. Enoch est guidé dans sa mission par Lucifer avant qu'il ne devienne lui-même un ange déchu. Les phases de jeu alternant entre les séquences de combat et de plateforme et le titre étonne par son approche visuelle. Original, un jeu développé par Ignition Entertainment. Ensuite de ça, c'est un action plateforme qui devait sortir le 9 septembre 2011. Et commençons immédiatement ce test démo sur El Shaddai Ascension of the Metatron. Et voilà, bon, on va commencer ce test. Et voilà, putain, je me connecte. Chier, on va sûrement se faire harceler par les potes que j'ai encore additionnés dans mes amis. Et oui, je comprends pas. Je prends toujours des amis, je supprime et j'en prends d'autres. Et voilà, on a le choix de la difficulté. On va le prendre normal. Voilà. J'ai hâte d'avoir ce jeu. Il a l'air superbe, ce démo. Et voilà. Voilà, petit loading de mes fesses. Voilà, il montre comment jouer. Attaquer avec... Oh putain, ça commence. Souhaite que vous rejoigniez un putain de groupe d'amis. Fais chier. Et voilà, encore une fois. Ouais, je sens que je vais encore supprimer tous les amis, là. Parce que ça n'a pas de bon sens. Je me fais harceler. Allez, putain, chargement. Voilà, on peut tasser. Voilà, je vois pas trop bien là. Voilà, LB, LB. Restauration, LB plus RB, A et X. Et voilà, passé. Ça y est. Putain. Version démo. C'est le jeu. Putain. Regardez-moi sa patte graphisme. Ouais. Ok, je peux bouger avec... le joystick de gauche, ensuite de ça, les gâchettes, ça sert à rien. Ok, je crois que je peux bloquer avec le RB. Ensuite, on peut sauter avec le B. Ensuite, on a le double saut. Ensuite de ça, putain, je peux sauter également avec le A. Et le X sert à frapper. Bon, ben, pour commencer, c'est pas trop compliqué. Voilà, je cherchais pas c'est quoi. En tout cas, pour commencer... ça cartonne, je trouve. Regardez cette patte graphisme. C'est, pour moi, c'est du jamais vu. N'en reviens pas. Oh putain! Vous avez vu? Oh putain! Regardez ça, j'avance et ça change de couleur. Assez débile. Oh putain! C'est pas qu'est-ce que c'était ça? Un enfoiré qui faisait. Oh 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 oh! Bon. On va essayer de se dépêcher pour en voir le plus dans cette putain de démo. Et voilà. Je sais pas qu'est-ce que c'est ça ici. Je sais pas si on peut le péter. Et ouais. Voilà. Oh putain. On prend pas là. Voilà. Flamme du pouvoir. Augmente les capacités. L'entente d'Enoch. Voilà. Putain. Yeah. Choper un cœur. Lumière bienfaisante. Oh putain, encore rejoindre le putain de groupe d'amis. Et ouais, je sens que je vais être encore obligé de supprimer tous les amis que j'ai repris. Parce que je fais des tests et comme vous voyez, je me fais harceler. Même quand que je joue hors test, c'est toujours pareil. Bon, on va essayer de se dépêcher. Ouais, pas de graphique énormissime pour le moment, rien à dire. Le contrôle est bien également, pas trop compliqué. On a un bouton pour sauter
et un bouton pour frapper. Et un putain de bouton. Enfin, je veux dire. Oh putain! Et le joystick pour avancer. Bon, c'est de me dépêcher. Oh putain! C'est quoi ça? Ça y est! Des connards! On va le buter! Prends ça, connard! Putain! Voilà, LB. On va appuyer sur LB. Oh putain! J'ai volé son arme, pas sûr, et oui, voilà! Prends ça, mon connard! Merde! Ouais, assez bien foutu les potes! Original! J'ai jamais vu ça, une patte graphiste comme ça! C'est assez déchirant, ça fait changement des autres putains de jeux! Voilà, on va démolir je sais pas trop quoi, mais ça donne des petites boulettes orangées, voilà! Un escalier, assez bien foutu les potes! Oh putain! Putain! Eh ben, une petite fille dessus, je sais pas trop quoi. Voilà. Ok. Ouais. Très original, cette démo. Oh, putain! Ça y est! Saleté de connard! On va les planter! Les putains! En tout cas, pour l'instant, on voit pas notre putain de jauge de vie. Rien d'autre à part qu'est-ce qui se passe dans le putain de jeu, voilà, prends ça mon connard. Putain. Oh merde, oh merde. Oh merde, ça y est. Fait niquer par ces salauds. Oh merde. Putain, vous avez vu, on dirait que mon armure blanche, à chaque fois je me fais toucher, elle se casse. Pas sûr, et oui, et voilà. Pour moi, c'est ma jauge de vie. Mon armure blanche sur mon personnage, c'est ma jauge de vie. Et voilà. Oh putain, ça fuyait. Oh merde, je l'ai manqué. Allez, bordel. Je sais pas si on peut faire des combos. Pour l'instant, je fais toujours... Oh putain. Yeah. En train de manger une putain de rice, et voilà. Au moins, j'ai eu ces saletés de connard. Je fais chier parce qu'on peut pas rapprocher la vue pour regarder le personnage de plus proche. Bon, ben, on entend le battement de cœur. Pour moi, je suis à veille de mourir dessus mon personnage, et voilà. On voyait du blanc, et là on voit plus grand blanc. Bon, ça y est, ici je sais pas qu'est-ce que c'est, sûrement des putains de marches. Et voilà, on fait attention à pas tomber. Youhou! Putain, je sais pas si ça, ça... Oh putain, un cœur, et voilà, on a récupéré un peu d'armure. Voilà, mais il disait appuyer LB, RB, AX, censé régénérer. Oh putain! Je sais pas qu'est-ce que c'est. Quand j'appuie sur le LB, ça fait ça. Je sais pas à quoi que ça sert, mais pour l'instant, j'adore cette démo, ce jeu. Cette démo, pardon, car les graphismes sont assez originaux. Oh putain! Sont assez originales. Voilà, il y a des plateformes qui apparaissent. Oh le putain. Youhou. Bon, c'est me dépêcher. Oh putain, vous avez vu le putain de rayon de soleil, assez bien foutu les potes, rien à dire. Voilà. Oh putain, ça y est, un autre putain d'ennemi assez bizarre. Voilà, viens mon salaud que je te plante. Oh merde, c'est un connard. Oh, pas trop compliqué pour l'instant. Et voilà mon salaud. Allez putain. Voilà. Oh merde. Allez putain. Bon, je crois qu'on a planté un, et ouais. Et voilà, il en reste un. Putain, l'enfoiros. Et oui, leur jauge chez leur armure, comme moi, je crois. Et voilà, j'ai reçu un coup et j'ai perdu encore de l'armure. Allez, putain! Oh merde! Oh merde! Je suis mort! Voilà, passé. Menu principal, continuez. Allez, bordel! Petit chargement de merde. Ouais.
Je suis sur le cul pour les graphismes de ce jeu. Assez original, merci. Le gameplay pour le moment très ordinaire. Le contrôle est bien. Ensuite de ça, le son également pour le moment. Qu'est-ce qu'on peut entendre ou voir dans cette démo? Ça me plaît. Allez, putain, de chargement de merde, toujours long. Ouais. Allez, putain. Très original comme démo. Voilà, on recommence de là. Ce coup-ci, je vais essayer de pas me faire tuer. Putain. Allez, putain. Salaud. Ça fuyait. Si, je ferai pas le temps. Voilà. Ça m'en colle. Oh merde, j'ai perdu encore de l'armure. Allez. Je sais pas s'il bloque quand il y a une orbe alentour de lui. Pas sûr. Oh putain. Yeah. Allez. Très basique comme contrôle. Pas de soucis pour ça. Ça se contrôle bien. Pour le moment. Allez. On s'en colle. Yeah, il m'a fait un tourbillon dans ma gueule de merde. Yeah. Allez, putain. On va essayer de me rendre où ce qu'on était rendu. Comme toujours, j'aurai pas le temps de terminer cette putain de démo avec mon petit putain de 15 minutes. Allez. Puis ça me tente pas de faire une deuxième partie également. Allez, bordel. Et voilà. Encore un coup dans ta gueule de merde. Oh merde! Encore une fois, il m'a eu ce salaud de merde! Wouh! Allez, connard! Ouais. You, you. Bon! On l'a eu ce fumier! Bon, on va faire attention ici, parce qu'on dirait qu'il y a le vide. On va essayer de voir. Eh oui, on a tombé comme un con! Bon! Ici, il y a des cœurs comme qu'on a pu voir tantôt. Voilà, régénérer notre vie, notre armure. Allez, bordel. Assez original, la trame sonore également, les potes. Bon, je vais essayer pas de me faire planter ce coup-ci par ces deux salauds. Je sais pas si on peut appuyer sur start. Et oui, ceci dit, ça va être la fin déjà du test démo sur ce jeu qui est El Shaddai Ascension of the Metatron, un jeu développé par Ignition Entertainment. Ça va sortir le 9 septembre 2011. C'est également sur PS3. Et je vous remercie à tous et je vous laisse sur ces images et à la prochaine.